Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions continues. L'exercice est le suivant. Soit f une fonction continue sur l'intervalle AB, il peut écrire de rien strictement. Pardon. Et puis EQ sont des réels strictement positifs, montrant qu'il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que PF de A plus PFQ F de B est égal à P plus Q multiplié par F de C. Voilà, on va procéder par. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires ou bien l'image d'un intervalle fermé, borné par une fonction connue, c'est un intervalle fermé et borné. Bon, on a f et continue sur le compact AB. Donc, il existe m et m. Éléments de R tels que F de AB est égal à M grand M, avec bien sûr M inférieur strictement à M. Donc, quel que soit x appartenant à AB, f de x est compris entre m et grand M. Et comme a appartenant à AB et b appartenant à AB, alors f de A, il est compris entre M et grand M, et f de B, il est compris entre petit m et grand M. Bon, cela implique, on a P et Q, ce sont de nombres positifs, donc on va multiplier la première, les premières inégalités par P et le deuxième par Q. Donc Pm est inférieur à PF de A, qui est inférieur à P grand M. Et Qm inférieur à QF de B, inférieur à Q grand M. Bon, cela implique que Pm plus Q grand M, oui, plus Q petit m est inférieur à Pf de A plus Qf de A de B, pardon, de B inférieur à P grand M plus Q grand M. Cela implique que P plus Q grand M est inférieur à PF de A plus QF de B, qui est inférieur à P plus Q multiplié par grand M. Quand P et Q sont strictement positifs, alors P plus Q est strictement positif. Cela implique qu'on va diviser les membres de ces inégalités par P plus Q. Bon, on va simplifier par P plus Q. Cela implique que M est inférieur à PF de A plus Q R de B sur P plus Q qui
interférer avec l'ordinateur. Donc, PF de A plus Q F de B sur P plus Q appartient à M grand M. Cela implique que PF de A plus Q F de B sur P plus Q appartient à F de AB. Et comme F est continu sur AB, donc il existe, bon, pardon, donc il existe, c'est appartenant à l'intervalle AB, tel que cet élément est l'image de C. C'est-à-dire que f de c est égal à p f de a plus q f de b sur p plus q. Petit équivalent donc, elle existe c appartenant à ab. Par f de c est égal à p plus q facteur de pf de a plus q f de b sur p plus q. On va simplifier par p plus q. Bon, est équivalent à exister appartenant à l'intervalle à b tel que p plus q f de c est égal à p f de a plus q f de b. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.